Je crois ce qui se dit ici à Washington. Les Israéliens, en la personne du porte-parole personnel de M. Shamir, Avi Pazner, et je mets ça bon encore au conditionnel avec prudence, auraient fait savoir à la Maison-Blanche qu'ils n'avaient pas l'intention de rester les bras croisés face à la menace irakienne. Alors, il est vrai que dans le passé, Israël a toujours riposté à ce type d'attaque. Alors, peut-être est-ce cela qui explique ce que vous me disiez tout à l'heure, que des chasseurs, des bombardiers israéliens auraient peut-être pris la direction de l'Irak. Oui. Vous n'avez pas d'autres informations sur les développements des conversations entre les Israéliens et les Américains pour l'instant? Les Américains, George Bush et tout son état-major font pression pour que les Israéliens n'interviennent pas, mais je vous dis à l'instant, sur l'une des chaînes, c'est la chaîne ABC, quelqu'un qui était en direct vient de dire qu'Avi Pazner, donc le porte-parole, aurait fait savoir à la Maison-Blanche que les Israéliens ne voulaient pas rester les bras croisés, comme je vous l'ai dit, donc auraient l'intention d'intervenir aux côtés des Américains. Bien, Christian, on vous rappelle dans quelques instants dans le journal, conséquences de tous ces événements de la nuit sur les bourses et sur le pétrole, Émilie Lanaise. Réveil morose des places financières. Si on continue sur la 5, journal complet des événements en cours et qui précèdent. Et tout de suite, je vous le disais tout à l'heure, j'en ai la confirmation maintenant, on va pouvoir entendre le témoignage de nos envoyés spéciaux Olivier Varin et Jean-François Renoux à Bagdad. Un travail très difficile, comme vous pouvez l'imaginer pour eux. Ils ont eu énormément de difficultés à nous joindre par téléphone, étant donné les circonstances, étant donné la censure de plus en plus dure de la part des Irakiens. Pour nous, une première satisfaction, ils sont en bonne santé. Deuxième satisfaction pour vous. Et ils peuvent vous rendre compte de ce qui se passe sur le terrain après pratiquement plus de 36 heures de bombardement non-stop. On écoute Olivier Varin de Bagdad. Il y a les lumières et il y a les sons. Les chapelets rouges des balles traçantes, la gerbe jaune de la DCA, le panache blanc des SAM-7, le déchirement sec des mitrailleuses lourdes, le martèlement sourd des orgues de Staline, le sifflement sournois des missiles. Dès 20h15 hier soir, le sinistre remake d'Apocalypse Now. Tout commence par la stridence des sirènes d'alerte. Les femmes et les enfants, paniqués, descendent aux abris, un oreiller sous le bras, quelques valeurs, quelques bijoux dans une mallette, population de troglodytes effarés. De prime abord, on a l'impression que le fracas et la fureur se déchaînent au hasard, puis un souffle vous repousse de la fenêtre. Les missiles américains ont frappé, une gerbe de flammes, un nuage de fumée, objectif atteint. Les sirènes ont retenti 5 ou 6 fois cette nuit, le jeu du chat et de la souris. Comme au temps de la guerre Irak-Iran, l'artillerie irakienne essaye de protéger Bagdad par un rideau de feu. Les missiles américains le déchirent, diabolique de précision. Jusqu'ici, c'est ce que l'on appelle dérisoirement une guerre propre. Nous avons vu plusieurs impacts frapper des ministères ou des bâtiments de l'armée. 2 bâtiments des postes se sont écroulés et l'on dit que le palais de Saddam Hussein n'est plus que ruine. Ici, la nouvelle des impacts sur Israël a détruit tout espoir d'armistice, comme si la Troisième Guerre mondiale venait de commencer. Voilà, c'était Olivier Varin qui nous appelait, je le répète, de Bagdad dans des conditions particulièrement difficiles, étant donné les événements, étant donné la censure. C'était notre équipe, Olivier Varin et Jean-François Renoux, toujours à Bagdad. Alors, la réplique de Saddam Hussein maintenant, eh bien la réplique de Saddam Hussein c'était cette nuit sur Israël, 8 fusées sur Tel Aviv, sans ogives chimiques, cela a été pratiquement sans conséquence, 12 blessés légers, sans conséquence stratégique non plus, ça ressemble à une offensive de désespérado qui veut transformer la guerre en conflit israélo-arabe et bouleverser ainsi l'alliance mise en place par George Bush. Alors d'abord les faits, il est exactement 2h05 du matin à Tel Aviv, les sirènes retentissent, l'équipe de la 5, Grégoire Degnaud, Bernard Charlon, tourne après un voyage entre Jérusalem, où ils se trouvaient, jusqu'à Tel Aviv, emmitouflés dans leur combinaison antichimique, leur masque à gaz sur la figure. Ils foncent sur Tel Aviv pour tourner. Voici leur reportage. Plus personne ne croyait aux menaces irakiennes. Pourtant, à 2h du matin, l'alerte est donnée. Dans tout l'état d'Israël, les gens descendent aux abris et mettent les masques à gaz. 7 missiles Scud sont partis d'Irak, 2 vont toucher Tel Aviv, 2 autres la ville d'Haïfa. Les 3 derniers se sont perdus dans la campagne. Dans la capitale israélienne, les zones bombardées sont évacuées dans le calme. On vient de sortir de l'abri, la chambre des enfants est complètement détruite. Il y a même un énorme trou dans la cave.
L'hôpital de Tel Aviv est en état d'alerte maximum. Il faut attendre l'aube pour avoir la certitude qu'aucun missile ne contenait des gaz chimiques. On dénombre une vingtaine de blessés. Pour l'instant, ici, on a 11 blessés. Il n'y a vraiment rien de sérieux. C'était des armes conventionnelles. Rien de chimique. Au moment de l'explosion, avec le souffle, j'ai volé à 3 mètres. D'autres blessés arrivent, là les missiles n'y sont pour rien, croyant une attaque chimique, un peu paniqués, ils se sont injectés de l'atropine. Ils arrivent maintenant avec des signes, des situations d'atropine, très légers la plupart sont injectés, donc l'atropine est à 2, ils ont mis 3 heures, il y a un temps de salé, les signes ont déjà disparu. Ce matin, à l'heure de pointe, les rues de Tel Aviv étaient désertes. Quelques passants encore sous le choc réclament une réplique de l'armée israélienne. L'aviation israélienne va y aller. Quand ? Quand ? Aujourd'hui. Je souhaite qu'elle attaque. En attendant une éventuelle réplique, tous les réservistes sont mobilisés. Ce matin, ils rejoignaient leurs casernes. Et vous l'avez vu, la population souhaite une riposte. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a dit la même chose. On entendait M. Ben Elissar, président de la commission de défense, le dire également tout à l'heure pendant notre prise d'antenne à midi. Alors, nous sommes en direct depuis midi. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle tout de suite Christian Mallard, car il y a là en ce moment un sérieux suspense, à savoir est-ce que George Bush va réussir à persuader Yitzhak Shamir de ne pas répliquer, de transformer et donc de tomber, comme le disait tout à l'heure un de nos invités, dans un panneau qui ferait que cette guerre du Moyen-Orient se transforme en conflit israélo-arabe. Christian Mallard. Mais d'après les toutes dernières informations, Gilles, il semble que pour l'instant rien ne soit encore dénoué, que les pressions américaines continuent, mais côté israélien, on aurait répondu, enfin le porte-parole à l'instant, le porte-parole de M. Shamir, Avi Pazner, aurait répondu à l'administration Bush que Israël considérait toujours la possibilité d'intervenir directement contre les Irakiens. Voici les tout derniers développements à l'instant. Nous avons subi une attaque de petite envergure par deux missiles. Mais d'après les premières estimations, les dommages, fort heureusement, ne sont pas trop graves. Des maisons ont été touchées et quelques personnes sont légèrement blessées. Elles vont d'ailleurs être envoyées à l'hôpital avant de retourner chez elles. Nous allons nous occuper des gens qui ont été évacués, des maisons endommagées, et nous allons attendre le prochain missile. C'est la première fois que Tel Aviv a été touchée par des missiles Scud. Et cet éclat fait partie d'un missile qui a pénétré un toit. Un autre morceau est tombé dans la chambre d'un étudiant qui venait de quitter la pièce. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. Cet éclat appartenait à l'aileron d'un missile qui n'a pas explosé. Sur Israël, ville touchée, Haïfa et Tel Aviv, le bilan actuel est de 12 blessés, quelques missiles seulement, mais une importance politique et stratégique considérable. Si les Israéliens ripostent, vous savez que plusieurs pays arabes, comme la Syrie, ont toujours menacé de changer de camp. En tout cas, l'opération Tempête du désert continue un peu plus au sud. Les raids aériens américains sur l'Irak sont toujours aussi massifs. Nous ferons le point dans un instant avec des reportages, des documents filmés dans la nuit sur place par nos envoyés spéciaux. D'abord, ce que tout le monde redoutait, l'attaque irakienne contre Israël, l'alerte aux gaz chimiques, mais heureusement, il n'y avait pas d'ogives chimiques cette fois dans les missiles. Marie-Claude Slick. Les autorités israéliennes avaient réagi hier avec mesure à l'annonce des sévères bombardements sur les sites stratégiques irakiens. Nous n'écartons pas la possibilité d'une attaque irakienne, disait hier soir le porte-parole de l'armée, peut-être même dans les heures qui suivent. À 2h locales ce matin, les sirènes hurlent dans tout le pays. L'alerte est donnée. Les autorités militaires conseillent aux Israéliens de mettre leur masque à gaz et de rester dans la pièce de leur appartement qu'ils ont calfeutré. Des missiles viennent de toucher le sol d'Israël, à Tel Aviv et dans sa banlieue et à Haïfa. On ne sait pas encore s'ils ont des têtes chimiques. À 4h du matin, l'alerte est levée sur l'ensemble du territoire. Les missiles étaient de type conventionnel, ils ont détruit quelques appartements.
Les Israéliens peuvent alors quitter leurs pièces calfeutrées. Il y eut peu de panique et seulement une dizaine de personnes blessées, légèrement, la plupart d'ailleurs surtout choquées par l'explosion. Israël a toujours dit qu'elle riposterait en cas d'attaque. Le chef d'état-major, le général Dan Shomron, intervenait ce matin à la télévision. Nous pouvons répondre et nous ne pouvons laisser une telle situation sans réponse. L'État hébreu va-t-il répondre? Jamais au cours de son histoire, il n'a voulu montrer le moindre signe de faiblesse. Il s'agit pour Israël plus que d'un point d'honneur. L'État hébreu considère cette intransigeance comme une nécessité dans un environnement arabe hostile. C'est une des décisions les plus dures qu'un Premier ministre ait dû prendre dans toute l'histoire d'Israël. Je pense que beaucoup d'Israéliens comprennent le problème qui se pose à nous avec une intervention. Mais d'un autre côté, l'opinion publique veut vraiment une réponse très dure. Cela se passait cette nuit aux environs de 4h du matin au sud d'Aran. Quelques secondes plus tôt, la troisième alerte depuis le début de ce conflit venait de retentir. On voit ici deux bombardiers américains qui prennent leur vol malgré ou peut-être à cause de l'alerte. Le premier décolle, puis le second. Le caméraman repère alors sur sa gauche la trace d'un missile tiré depuis l'aéroport. La caméra cherche, finit par saisir dans son objectif la flamme du réacteur du missile. La voici, elle disparaît dans les nuages, une petite lueur rouge, le Patriot vient de détruire le projectile irakien. C'est très rapide, très furtif, mais très efficace. Entre tous, sains et saufs. Mais demain, ou dans une heure, la guerre reprendra ses droits. Vous avez vu, il comptait sur ses doigts pour voir s'il y avait exactement le nombre d'avions de retour. 30 km de Kuwait City, ici sur les bords du golfe Persique, tous les Jaguars sont rentrés à leur base, sains et saufs, à l'inverse de ce qui s'était passé hier, où 4 d'entre eux avaient été touchés. La dernière information qu'on peut montrer sur la carte et qui est encore à confirmer, selon le Pentagone, donc le ministère de la Défense américain, il y aurait eu des échanges d'artillerie entre l'armée irakienne au Koweït et l'artillerie de la force multinationale située en Arabie Saoudite. La ville de Rafji, qui est une ville frontière de l'Arabie Saoudite, qui se situe exactement ici, je ne sais pas si on le voit avec ma canne, la ville de Rafji donc a été bombardée par l'artillerie irakienne, des échanges de tirs qui ont fait quelques blessés légers chez les Américains. Il semble se confirmer que des forces terrestres se mettraient en action, notamment les Égyptiens. On dit que les 35 000 soldats de l'armée égyptienne se mettraient en action et quitteraient la ville de Afar el-Batin, ici sur la carte, pour se rendre, pour s'avancer vers le front entre la frontière de l'Arabie Saoudite et de l'Irak. Oui, on a parlé aussi de mouvement de troupes françaises, mais le général Capillon nous disait tout à l'heure que c'était pour l'instant, et le SIRPAN nous indiquait que c'était simplement... Oui, ça n'est pas confirmé. Par contre, les Égyptiens ont confirmé que leurs troupes s'étaient mises en mouvement, et le Pentagone confirme donc qu'il y a déjà eu des échanges de tirs d'artillerie entre l'armée irakienne et l'armée américaine. Il vole à 3 fois la vitesse du son. Il frappe pratiquement à coup sûr l'objectif, fusée ou avion, grâce à un système informatique ultra perfectionné. Il a fallu 15 ans de mise au point. C'est la première fois que le Patriot est utilisé au combat. En face, la victime, le missile Scud, c'est en principe l'arme de pointe de Saddam Hussein. Il est également mobile. De conception soviétique, mis au point il y a 25 ans, le Scud pourrait être considéré comme bon pour le musée, mais il faut se méfier de ces armes rustiques. Scud a gagné la guerre contre l'Iran. Il peut parcourir 7 à 800 km avec au choix une charge explosive classique ou chimique ou nucléaire que l'Irak ne possède pas encore théoriquement. De plus, l'Irak compense la rusticité de ses missiles par leur nombre, estimé à 2000 par les experts. On sent tout de suite qu'il est lessivé. Le poids du combat pèse sur lui. Sur ses joues, les marques noires imprimées par le casque sur la sueur. Ce matin, les Jaguars ont décollé à 6h50 pour une mission de bombardement sur le Koweït. Le premier résultat, les gens sont rentrés sains et saufs et les appareils sont rentrés sans avoir été touchés. La mission était de détruire un dépôt de munitions au Koweït. Je ne sais pas encore si l'objectif de cette mission a été entièrement rempli. Ce que je peux vous dire, c'est que partiellement, oui. Réaliste, le ciel de Bagdad.